Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Merci d'être connecté en ce jour pour notre émission que nous aimons, Lumière sur mon sentier. Je ne suis pas seule et généralement, comme chaque fois que nous nous retrouvons, nous avons la grâce aujourd'hui encore de pouvoir poser des questions à l'apôtre Philippe. Shalom apôtre. Shalom sur grâce. J'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Merci apôtre de nous honorer, j'ai envie de dire, de votre présence encore. En tout cas, chaque fois que nous suivons ces émissions, nous sommes richement bénis. Vraiment, cette émission mérite son titre, Lumière sur mon sentier. Apôtre, la dernière fois, nous avons parlé de l'élection. Vous avez eu à nous donner un résumé de comprendre que l'élection divine vient de Dieu. Cette élection ne dépend pas des hommes. C'est pas comme dans nos pays où pour élire quelqu'un, il faudrait que tout le monde puisse être là, donner son avis. Et nous avons été bénis. Je crois que si nous avons des questions, n'hésitons pas de les envoyer. Aujourd'hui, nous avons un thème apôtre. Comprendre le châtiment divin. Comprendre le châtiment divin, et nous sommes dans Hébreux 12, versets 5 à 8. Je vais lire. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te réprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Apôtre, nous voulons savoir. C'est quoi les châtiments? Si nous voulons voir dans ce contexte, le châtiment, c'est une correction. C'est une formation dans le but de former notre caractère. Afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Le châtiment, c'est l'accomplissement de la sentence, si on doit le dire ainsi. Dans la Bible aussi, on trouve que c'est l'accomplissement de la sentence que le juge prononce contre un coupable. Oui. Mais quand nous voyons très bien Hébreux, ce n'est pas forcément dû à la culpabilité, même si c'est large. Là, il s'agit d'une correction de Dieu qui veut éduquer, élever son enfant. Merci, apôtre. Donc, dans ce que vous avez dit, nous comprenons que pour ce passage d'Hébreux 12, il s'agit bien d'une correction. Oui. Ma question est de savoir, y a-t-il d'autres formes de châtiment à part la correction? Oui, on peut parler de la punition. De la punition, il y a le châtiment à cause de la désobéissance, il y a le châtiment à cause du péché. Dans Lévitique, Dieu est en train de parler, il dit « Si vous n'écoutez pas mes commandements, je vous châtierai sept fois plus. » Donc, ça peut revêtir plusieurs formes. D'accord. Donc, vous avez donné ce passage. Donc, je comprends par là que
il y a un châtiment en fait pour les enfants de Dieu et un châtiment pour les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ou bien Dieu applique le même châtiment pour tout le monde, peu importe, enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Oh non, le châtiment pour les enfants de Dieu, je pourrais dire, ça reste le châtiment divin, mais ça dépend de la personne que Dieu en face. Si c'est celui qui est déclaré son enfant, le châtiment est tout autre. Et si c'est celui-là qui est son ennemi, la Bible nous dit que avant la mort de Christ, nous étions ennemis. Donc voilà pourquoi je me permets de dire ennemi. Si pour celui qui est ennemi, si ça s'exerce sur celui qui est l'ennemi de Dieu, c'est une autre forme de châtiment. D'accord. Merci, apôtre. Nous allons revenir dans le cas des fils, donc des enfants de Dieu. Quel est le but que Dieu poursuit lorsqu'il châtie ses enfants, ses fils? Pourquoi? Dieu, il est un Dieu bon. Bon, je me dis, le châtiment, ce n'est pas forcément quelque chose d'heureux. Même Hébreu, la suite, hein, le montre. Donc, pourquoi Dieu choisit de châtier ses enfants? C'est quoi le but qu'il poursuit dans? Est-ce que la personne qui est châtiée peut toujours chanter la bonté de Dieu malgré les châtiments? Oui, la personne qui est châtiée peut toujours chanter la bonté de Dieu. Comme la suite d'Hébreux 12 nous dit, naturellement, même lorsque nos pères biologiques nous châtiaient, ça faisait mal et autres, mais après, ça portait un fruit paisible. Voilà. Et de la même manière, Dieu nous châtie afin de nous faire participer à la sainteté. Quand Dieu nous châtie, il nous forme, il forge en nous le caractère de Christ. Nous participons ainsi à la sainteté, qui est rien d'autre que la mise à part, être totalement, entièrement consacré à Dieu. Dieu veut l'exclusivité. Voilà pourquoi il arrive qu'il puisse châtier ses enfants comme des fils, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ceux-là qui ne sont pas châtiés sont des enfants illégitimes. D'accord, donc le but là que Dieu poursuit, c'est que nous soyons mis à part. Oui. C'est-à-dire, Dieu vient nous châtier lorsqu'il remarque en nous, il y a des choses qui, je vais un peu reformuler, qui nous mélangent un peu. Nous sommes comme tout le monde, finalement. Oui, nous sommes comme tout le monde, et il veut que nous soyons entièrement à lui, entièrement à lui. Et il nous châtie. Ce châtiment peut ressembler à de l'humiliation. Je pense dans le psaume 119, je pense, verset 67, le psalmiste dit « Avant, je m'égarais, maintenant, j'observe tes lois. » Et puis il dit « Il m'est bon d'être humilié, je pense que le verset 71 à 72, afin que j'observe tes statuts. » Car tes statuts sont pour moi meilleurs que l'or, ainsi de suite. Voilà. Il m'est bon d'être humilié. Il dit « Avant, il s'égarait. » Il a fallu que Dieu puisse le corriger. Souvent, on ne réalise pas. C'est lorsque le processus se poursuit, on réalise qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'opérer en nous. On s'est dit, waouh, Dieu, il fait des grandes choses. Amen. Dieu fait des grandes choses. Apôtre, vous dites que Dieu fait cela. Il nous humilie, en fait, pour nous montrer... Je veux le dire ainsi, hein, pour que nous puissions marcher selon sa parole, pour que nous puissions être selon, nous puissions vivre selon sa volonté, pour que nous soyons mis à part. Peut-être que quelqu'un peut se demander, mais est-ce que à chaque fois que je m'égare, à chaque fois que je vais pécher, Dieu va me châtier? C'est-à-dire tout péché égale châtiment de Dieu. C'est-à-dire comme, je vais prendre l'exemple, hein, comme nos parents dans la chair, lorsque on t'attrape par exemple la main en train de prendre la nourriture dans la casserole, on va peut-être te punir. Donc en tout cas, à chaque bêtise, on te frappe ou bien on te punit. Mais est-ce que c'est comme ça aussi avec le Seigneur? Ou bien il y a certains péchés en particulier où Dieu châtie et d'autres? Non, Dieu il châtie tous les péchés. Mais avant toute chose, il avertit. Dieu il nous avertit. Avant de châtier, il voit que nous sommes sur une mauvaise voie, mais il nous avertit. Quand vous lisez le livre du prophète Jérémie, vous réalisez cela. Dieu, il a averti. Il a dit, j'ai même envoyé les prophètes
dès le matin. Ils ont appelé, j'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Et ce n'est qu'après que Dieu va châtier. Alors qu'il y a eu une succession de rois en Juda qui n'honoraient pas le Seigneur. Et donc c'est sur base de cela que je peux affirmer que Dieu, il prend le temps avant de nous châtier. Avant de nous châtier. Voilà, il nous tend la main. Dans Isaïe, même dans Romains, on nous dit j'ai tendu ma main vers un peuple rebelle et contredisant. Chaque jour, j'ai tendu ma main. D'accord. Le Seigneur nous avertit avant de nous châtier. Oui. J'ai une question, apôtre. S'il arrive que Dieu nous a avertis, mais que nous avons oublié l'avertissement du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier l'avertissement du Seigneur. Oublier, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il nous a dit. Et donc, le châtiment va s'en suivre. Dieu ne tient pas compte, comprenez, Jean. Dieu ne tient pas compte du fait qu'on ait peut-être oublié. Non, c'est tellement important quand Dieu nous parle que nous devons entendre. Le psalmiste David dit, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu. Donc, on ne peut pas laisser la parole ainsi. La force de Samuel, la Bible nous dit, c'est qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Amen. Il nous faut donc ne laisser aucune des paroles du Seigneur tomber à terre. Amen, pasteur. Je voudrais savoir, pasteur, je sais qu'il n'y a pas de grands péchés, des petits péchés. Le péché, c'est le péché. Maintenant, je veux savoir, pour quelqu'un qui a menti et quelqu'un qui a volé, par exemple, un chrétien, un enfant de Dieu, bon, ou qui a vraiment fait du mal à quelqu'un, est-ce que le châtiment diffère ? Est-ce que le châtiment est proportionnel au péché commis ? C'est-à-dire un péché plus grave, moins grave, je sais pas. Le châtiment est proportionnel au péché commis, oui, mais c'est Dieu qui fixe le standard. Ce que nous pensons être quelque chose que l'on peut quand même gérer, ça pouvait pas être sanctionné de la sorte, Dieu sanctionne cela très fort. Je prends l'exemple dans Josué chapitre 6. Les murailles de Jéricho tombent. Dieu avait clairement dit qu'on ne devait pas toucher tout ce qui était interdit. Donc, on devait vouer toute la ville par interdit. L'or, l'argent, tout ça là, devait être entreposé dans le camp d'Israël. Mais tout devait être détruit, voué par interdit. Et voilà, quelqu'un va aller en l'encontre de la recommandation de l'ordre divin, du nom d'Acan. Et cet homme va être lapidé, il va mourir. Peut-être que c'était de notre génération, on allait dire non, c'était quand même très fort, Dieu a poussé, le bouchon est allé très loin. Non. La Bible nous dit, dans Romains 3, 4, je pense, quand on juge Dieu, qu'il soit trouvé comme celui qui dit la vérité, et que les hommes soient trouvés comme étant des menteurs. C'est Dieu qui fixe. Souvent on peut penser que c'est une petite chose, mais pour Dieu, c'est lui qui fixe. Ce n'est pas à nous de dire que ça c'est petit, ça doit... Non. Je reste sur la même note, apôtre. Je prends au moins deux exemples dans la Bible. Nous avons l'histoire d'Uza et d'Ananias et Saphira. Donc Uza, nous sommes dans l'ancienne alliance, et Ananias et Saphira, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc nous sommes sous la grâce du Seigneur. Et bien sûr, avec Uza, nous sommes sous la loi. Uza a été châtié. Lorsque nous lisons des Samuel 6, verset 6 à 7, on voit clairement qu'il voulait aider, en fait, lorsque l'arche penchait, et il a été châtié. Il est mort sur place, pas. Il est mort. Et Ananias et Saphira aussi, dans Actes 5, 1 à 11, ils ont eu à mentir par rapport au prix auquel ils ont vendu, en fait, leur terre. Et ils ont aussi été châtiés. Ils sont morts. Nous voulons savoir, apôtre, les châtiments est toujours synonyme de mort. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous châtie, est-ce qu'il faut toujours que la mort s'en suive ? Est-ce obligatoire ? Non, pas forcément. Le châtiment n'est pas toujours synonyme de mort. Comme je le disais, c'est Dieu qui détermine. Voilà. S'il en arrive jusqu'à la mort, ben c'est parce qu'on n'a pas écouté. Je prends l'exemple de Uza dans 2 Samuel 6 et même dans 1 Chronique. Dieu avait dit clairement
depuis Moïse, comme Dieu révèle à Moïse le tabernacle, que l'arche devait être portée par les sacrificateurs, les Lévites. Et l'on savait, c'était la famille des Kéates, c'est-à-dire les Kéatites qui devaient porter l'arche sur les épaules. Il donne d'abord l'ordre concernant les personnes qui devaient porter l'arche, et il dit aussi comment l'arche devait être portée. L'arche devait être portée. Mais là, David ramène l'arche en Israël, à Jérusalem, il y a la joie et autres, et voilà, l'arche entre en Israël, c'est d'abord sur un bœuf, voilà, un char neuf. C'était très bien, l'intention semblait être bonne, mais ce n'était pas dans la recommandation de Dieu. Quand vous lisez très bien le livre de Samuel, 1 et 2 Samuel, vous allez vous rendre compte même que la méthode utilisée pour transporter l'arche à Jérusalem, c'était une méthode païenne, c'était une méthode philistine. Lorsque les Philistins ont attrapé l'arche dans 1 Samuel 7, comme ça, cette arche est passée d'une ville à une autre des Philistins. Il y a ceux-là qui ont eu l'hémorroïde, ils étaient frappés par toutes formes et par toutes sortes de maladies. Et puis ils vont poser la question, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Non, il faudra faire un sacrifice et renvoyer l'arche en Israël. Et quand ils avaient renvoyé l'arche en Israël, ils avaient mis l'arche sur un char. C'était écoulé bien des années. Samuel était juge en Israël. Saül était roi pendant 40 ans. Donc, c'était écoulé au moins 67 ans, si je peux essayer de calculer, au moins 67 ans. Et voilà, David vient dans son désir de faire du bien. C'est finalement la mort, quelqu'un qui essaye juste de remettre l'arche à sa place. Tenez-vous bien, cet homme du nom de Uzza dormait avec l'arche. L'arche était chez son père quand l'arche avait quitté chez les Philistins. Et ça nous montre que nous ne devons pas nous familiariser avec Dieu. Voilà, il est notre ami, on peut être intime avec lui, mais il est notre Père, c'est lui le Dieu tout suffisant, c'est lui le souverain. Nous ne devons pas nous familiariser, il faut qu'il y ait ce profond respect, l'honneur dû à Dieu. Et cela a conduit jusqu'à la mort d'Uzza. Quand vous lisez 1 Chronique 15, 16, David lui-même, il dit, voilà, ce sont les sacrificateurs qui doivent porter l'arche de l'Alliance. Il dit, nous avons eu ce drame, je paraphrase, parce que nous n'avons pas cherché Dieu selon la loi. La loi qui atteste que l'arche doit être portée sur les épaules. Vous voyez? Et donc, c'était ça. Pareil pour Ananias et Saphira. Peut-être qu'ils avaient été interpellés bien avant, mais puisqu'ils n'ont pas écouté, Dieu va les châtier. Apôtre, même sous la grâce, oui, où l'amour de Dieu est répandu. L'amour de Dieu est répandu, même dans l'Ancien Testament, où on nous parle de Dieu qui a amené la loi par Moïse, Dieu a toujours fait grâce. La grâce a toujours existé. Dans 2 Pierre 1, l'apôtre Paul nous dit que Christ est venu révéler cette grâce que Dieu avait établie avant les temps éternels. Christ est venu manifester pleinement ce qui existait. De temps en temps, Dieu, il a fait grâce, hein, il a fait grâce même vers d'autres peuples qu'Israël. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et donc, nous devons retenir une chose, dans le péché se cache la punition. Dans le péché se cachent les conséquences de ce péché-là. Voilà. C'est ces conséquences-là que certains théologiens appellent même le châtiment indirect. Voilà. Donc, je comprends par là que, avec nos parents, dans la chair, facilement, lorsqu'ils nous châtient, on peut remettre en question leur châtiment. On peut remettre en question leur châtiment, on peut trouver que c'est injuste, mais avec Dieu, dans ce que vous avez dit, je comprends clairement qu'il n'est pas question là de traiter Dieu d'injuste parce qu'il nous a châtiés. C'est-à-dire, bien avant qu'il le fasse, il a eu à nous prévenir. Et si nous n'avons pas pris garde de tout ce qu'il a eu à dire avant,
C'est nous, c'est notre responsabilité. Donc nous devons être prêts à assumer nos responsabilités lorsque Dieu nous châtie. Apôtre, il y a cet adage où on dit souvent une faute avouée à moitié pardonnée. Je ris, ce n'est pas dans la Bible bien sûr. Mais ma question est, c'est quoi maintenant le rapport entre la repentance et le fait que Dieu nous châtie? C'est-à-dire, est-ce que s'il arrive que je pêche contre Dieu et que je me repente, est-ce que Dieu peut toujours me châtier? Pourquoi je pose cette question? Je prends l'exemple de David dans 2 Samuel 12, lorsqu'il a péché dans l'affaire de Bathsheba. Dieu envoie son prophète, donc Nathan, pour lui dire ce qu'il attend. Et il s'est repenti. Mais malgré le fait qu'il s'est repenti, il a quand même été châtié. C'est-à-dire, est-ce que finalement la faute qu'on avoue n'est pas pardonnée par Dieu? Est-ce que le châtiment de Dieu signifie que Dieu ne nous a pas pardonnés? Non, le châtiment de Dieu ne signifie pas que Dieu ne nous a pas pardonnés. Dans la repentance, on reconnaît, on se détourne de nos mauvaises voies. C'est un don que Dieu nous accorde, le pardon. Et dans sa souveraineté, il peut nous faire subir les conséquences de notre acte. De 2 Samuel 12 que vous avez mentionné, David, Nathan, le prophète, va le voir pour lui expliquer tout ce qu'il a fait. Voilà. David, il avoue son péché. Il dit, je reconnais ce que j'ai fait. Dieu dit, alors, puisque tu as reconnu, tu ne mourras pas. Ça, c'était déjà la grâce. Parce que David lui-même, il avait déjà signé son arrêt de mort, il avait prononcé sa sentence. Comme lorsqu'on vient avec cette parabole, un homme qui n'avait qu'une seule brebis, il y avait un homme riche qui habitait aussi la même contrée, qui avait beaucoup de bœufs. Cet homme riche avait reçu quelqu'un qui était venu. Au lieu de prendre la brebis ou la mouton qui était dans sa bergerie, il va prendre la seule brebis de cet homme pauvre. David dit, comment une telle chose peut se passer dans mon royaume? Il dit, cet homme-là mérite la mort et il doit rendre même le quadruple. Il avait lui-même signé son arrêt de mort et parce qu'il l'a sorti de sa propre bouche, il était le roi. Et Nathan lui dit, cet homme-là, c'est toi. Voici, je t'ai donné tout le royaume, même si cela était peu, j'aurais ajouté. Tu as pris Uri, tu l'as tué, tu as pris ta femme, ainsi de suite. Et David va reconnaître, il dit, puisque tu as reconnu, tu ne mourras pas. Mais il y a une conséquence dans chaque acte que nous posons. L'enfant qui t'est né mourra. Vous voyez? Donc c'est très important. Dieu, il pardonne. Donc quand on parle de la repentance, on entre dans un autre domaine. Nous devons nous attendre à lui. Il nous a réellement pardonné, mais il permet aussi que nous puissions subir les conséquences de notre péché. Cela veut dire. Quand il ne nous fait pas subir les conséquences de notre péché, c'est pour un but. C'est pour un but. Et quand il nous fait subir aussi les conséquences de notre péché, c'est aussi pour un but. Donc on ne peut pas définir que pour ça, Dieu ne va pas me faire subir des conséquences. On ne peut pas. C'est vraiment la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. De Dieu qui décide en fait. Oui. Apôtre, est-ce que c'est mal dans ce cas, lorsqu'il arrive qu'on pêche, de prier, de dire, de prier pour. L'objectif, lorsqu'on prie ou on demande pardon, c'est de dire, je demande pardon pour que Dieu ne puisse pas me châtier. Non, d'abord, la première des choses, il faut demander pardon parce que l'on reconnaît l'acte. On est attristé. Là, on dit, sentez votre misère. On se rend compte qu'on a déshonoré Dieu. On dit, Seigneur, tu peux me traiter comme tu veux, mais là, j'éprouve du repentir, comme cela est écrit dans Jérémie 31, je pense. Il dit, je me frappe la cuisse, j'éprouve du repentir. Et c'est ce qui manque même dans l'Église corps de Christ aujourd'hui. C'est-à-dire, je l'ai fait parce que j'étais attristé. Le Saint-Esprit en moi a été attristé. Mais là, on voit la sincérité de cœur. Oui, on voit la sincérité de cœur. Mais pourquoi il faut qu'il y ait toujours un châtiment en fait? Pas forcément. Le châtiment même peut être là, mais pas de la manière dont on l'attend. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, apôtre, dans ce que vous avez dit, il nous faudrait voir au-delà du châtiment la grâce de Dieu.
Oui. Parce que vous avez parlé de David. David avait déjà arrêté sa mort. Mais Dieu, dans sa grâce, il a certainement châtié David, mais il n'a pas tué. Donc voilà, le châtiment ne conduit pas, n'est pas toujours synonyme de mort. Non. Donc ça répond à la question. Donc moi je comprends ce soir que lorsque Dieu nous châtie, on ne doit pas seulement regarder à la souffrance en fait qu'on est en train de subir. Mais on doit réaliser d'abord, premièrement, qu'on a fait du mal au Seigneur, qu'il a eu mal lui aussi, et que malgré qu'il a eu mal, il nous a pardonné. Et le pire pouvait nous arriver, mais dans sa grâce, Dieu nous a, je veux dire, il a allégé un peu, je veux dire les choses. Peut-être nous, quand on reçoit, on ne sent pas forcément que ça a été allégé, parce que je pense qu'on est quand même comme des, on agit un peu comme des enfants gâtés, n'est-ce pas, apôtre, devant avec Dieu, c'est vrai. On agit quand même comme des enfants gâtés, on veut tout faire. Voilà. Et puis après, papa, on ne veut pas qu'il nous pince un peu. Dès qu'il nous pince un peu, on est fâché, on boude. Apôtre, c'est cette manière d'agir, ce n'est pas une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, on connaît l'amour de Dieu, nous connaissons l'amour de Dieu. Bon, je veux dire, nous connaissons. Après la connaissance, on a encore du chemin pour connaître l'amour de Dieu. Mais je veux dire, on compare un peu Dieu avec nos pères. On sait que nos pères et Dieu, ce n'est pas la même chose. Nos pères, ils sont de nature, entre guillemets, méchants. Jésus l'a dit. Donc, on accepte un peu plus quand il nous châtie. Mais quand on regarde un Dieu amour, on se dit, mais pourquoi il me châtie? Et même, on va le traiter d'injuste. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui justifie, en fait, le fait que on prend mal le châtiment, parce qu'on comprend mal l'amour de Dieu et on veut juste être des enfants gâtés. On fait des bêtises et puis Dieu nous laisse. C'est la mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Parce que déjà, Dieu, il nous châtie parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et nous devons réaliser cela. Quand je réalise l'amour de Dieu, je vis le châtiment autrement. Voilà. Voilà, bon, là, pas de châtiment qui nous permet d'être conduit à la sainteté. Le châtiment aussi parce qu'on a fauté. Voilà, donc, je sais une chose, tout ce que Dieu il fait, c'est par amour pour moi. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui avait été arrêté en fin des années 80. Voilà, il ne déclarait pas ses impôts, ainsi de suite. Ça se passe aux États-Unis, il se retrouve en prison. Et on lui pose la question par un jeune serviteur de Dieu de l'époque qui était allé lui rendre visite pour lui dire, mais toi qui aimais tant Dieu, comment une telle chose t'est arrivée? On ne comprend pas. Il a dit à cet homme-là, j'aimais Dieu, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. Et il dit, je réalise que ma place, c'est vraiment en cette prison-là. Il dit, Dieu a été tellement bon en m'envoyant dans cette prison-là. Et là, il a appris. Quand il est sorti, cet homme, son ministère fut changé. Il avait repensé même sa façon de présenter l'évangile. Donc, Dieu, il a été honoré par le fait qu'il ait puni cet homme. Apôtre, avec votre exemple, est-ce qu'on peut comprendre par là que tant qu'on n'a pas compris le but pour lequel Dieu nous châtie, notre situation ne va pas changer? Est-ce qu'on peut déduire? Oui, nous devons comprendre. Nous devons comprendre pourquoi Dieu nous châtie. Nous devons comprendre, tirer les leçons qui s'imposent. Sinon, notre situation ne va pas changer. On va se plaindre, on va se fâcher. On fera même encore pire, comme si on cherchait de l'attention. Mais Dieu, il reste dans ses principes. Et ses principes ne contredisent pas son caractère qui est amour. Sa nature qui est amour. Amen. De Samuel 6, le verset 8, apôtre, la réaction de David face à ce qui arrive à Uzza. Il était irrité. Cette réaction-là, est-ce normal d'avoir cette réaction, d'être irrité? Oui, mais parce que lui, il pensait bien faire. Il pensait vraiment bien faire. J'ai ramené l'arche. Voilà, voilà. Donc, dans la Bible, on doit faire, dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention. Il arrive que ce qui nous importe, ce que nous apprécions, Dieu n'apprécie pas. Donc on peut rire là où Dieu pleure. Jésus entre à Jérusalem, Hosanna au fils de David, voilà. Les gens étaient en train de rire, ils exultaient. Mais lorsque Jésus regarde la ville, toi aussi tu connaissais les choses qui a
qui appartiennent à ton bonheur et autres. Il dit, tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Jésus, il a pleuré. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Or, les gens se réjouissaient. Donc, face à une situation, on peut avoir des réactions différentes. D'accord, apôtre. Il y a une question qui monte, c'est par rapport à l'histoire un peu de Moïse. Lorsque Dieu décide de frapper en fait les enfants d'Israël, et je ne me souviens pas bien de la référence, mais je vais juste essayer de paraphraser l'histoire. Moïse fait va faire quelque chose en fait pour arrêter la colère qui va tomber sur le peuple. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quelle histoire je parle. D'accord. Je voudrais savoir, apôtre, est-ce que nous pouvons arrêter le châtiment de Dieu? Est-ce que nous avons la capacité d'arrêter le châtiment? Oui, c'est vrai, Dieu a décidé de frapper. Mais est-ce que nous pouvons arrêter cela? Ça dépend, parce que le châtiment prend plusieurs formes, comme je l'ai dit. Il est vrai que dans la prière, Dieu il dit il se laisse fléchir. Donc nous pouvons demander. Moïse avait prié, il dit même efface mon nom du livre de vie. Il a demandé à Dieu à deux reprises. La première fois, c'était avec le veau d'or. Avec le veau d'or, voilà, il a pardonné à ce peuple parce que Dieu voulait exterminer tout le peuple. Mais après, nous nous rendons compte qu'il devait avoir expiation par le sang. Il y a de ceux-là qui sont morts. Dans Nombre 14, ce passage fait suite à Nombre 13. Israël avait choisi 12 espions pour aller explorer Canaan. Ils arrivent à Canaan, ils trouvent que c'est réellement un pays où coule le lait et le miel, mais ils se disent on n'arrivera pas, ils font un mauvais rapport. Le peuple va crier, va pleurer. Ils se disent même dans Nombre 14, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Et le Seigneur est irrité. Le Seigneur a dit, je vous ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles. Vous allez mourir et tout ça. Moïse va plaider et autres. Mais il y aura quand même des personnes, des récalcitrants qui vont payer, qui vont être châtiés. Déjà même sur le 12 espions, il va en avoir 10 qui vont mourir le même jour. Le même jour. Donc en termes de châtiment, nous, voilà pourquoi la repentance, c'est la miséricorde de Dieu. Vraiment, on compte sur sa miséricorde. On compte sur sa miséricorde. On change d'avis vis-à-vis du péché, on change d'attitude, on change d'action vis-à-vis du péché, mais on s'attend à lui. Et c'est là où nous conduit en tant qu'enfant de Dieu à apprécier le pardon. Le pardon est un don de Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste, bon, j'ai péché, hein, j'ai demandé pardon. Non, il faut que tu réalises combien tu as attristé le cœur de Dieu. Et là, en te relevant, tu ne reprendras plus les mêmes choses. Amen, apôtre. Nous vous remercions, apôtre, d'avoir pris le temps de répondre. Je vous en prie, sur grâce. Merci au Seigneur pour l'inspiration et sa conduite. Et merci aussi à nos internautes qui sont fidèles. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail charisma.sourceabondante@gmail.com ou bien par téléphone au 07 70 96 08 87. Apôtre, nous sommes à la fin. Quel serait votre dernier mot pour nous? Bien, voilà, un conseil. Peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de vivre le châtiment, qui ne sait pas forcément comment se comporter, qui peut-être trouve que c'est injuste, parce qu'il a mal, certainement mal compris l'amour de Dieu, ou il a certainement mal compris quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? Et cette personne peut se dire, mais nous sommes sous la grâce. Pourquoi Dieu châtie encore sous la grâce? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour finir? Je pourrais dire à cette personne d'éviter des situations qui conduiront au fait de commencer à discuter, je ne devais pas être châtié, ainsi de suite. Demandons au Seigneur, comme Christ nous a appris dans la prière du Notre Père, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du mal dans notre version. Donc il faudrait que nous puissions demander à Dieu de nous délivrer du mal, que nous ne soyons pas conduits à la tentation. C'est vraiment ça la bonne réaction. Et savoir aussi que le châtiment, ce n'est pas seulement à cause de quelque chose de négatif qu'on aurait fait.
Mais le châtiment, c'est aussi pour que nous puissions participer à la sainteté de Dieu. Le châtiment, dans ce sens, devient une élévation, une éducation. Il nous communique sa nature, il veut que nous puissions lui ressembler. Il y a des choses qu'il nous impose qui ressemblent à de la châtiment, plutôt, qui ressemblent à du châtiment. Mais Dieu, c'est dans le processus de nous faire croître, afin que nous soyons semblables à lui. Donc, laissons Dieu faire son œuvre dans notre vie. Et si ce châtiment-là est dû au péché, demandons pardon à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Voilà ce que j'avais à vous dire. Amen. Merci, apôtre. Et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine. Thank you.